Non, bon, tout d'abord, je dois faire mes compliments à mes joueurs. Je pense qu'ils ont fait vraiment un grand match ce soir. J'ai eu vraiment de l'envie, de l'organisation. Il y avait la mentalité. On a créé beaucoup d'occasions. Et je pense que vraiment, on méritait de gagner ce match. Donc, je fais mes compliments à tout le staff et surtout aux joueurs qui ont très bien joué. Et je suis content de la prestation, un peu moins du résultat, c'est normal, vu les occasions créées, les occasions franches. Parce que dans le football, il y a deux choses importantes. Une, c'est la prestation, l'autre, c'est le résultat. Ce soir, on a fait une grosse prestation pour moi. L'équipe malgache est une très bonne équipe, une équipe très difficile à jouer, une équipe très expérimentée avec certains grands joueurs. Donc, on connaissait bien leurs forces et leurs faiblesses. C'est toujours difficile de jouer ce genre de match. Et ils l'ont démontré parce qu'à la fin, contre la Tunisie, ils auraient pu très bien prendre le point du match nul. En ce qui concerne la finition, je pense que l'important, c'est quand même de créer des occasions sur des actions bien manœuvrées, bien orchestrées. Après, bon, c'est pas tout le temps qu'on peut être efficace. Ce soir, on l'a été un peu moins que dans d'autres occasions. Mais l'important, c'est quand même qu'on a créé des occasions voulues, qu'on avait préparées. Et ça, c'est une chose qui est importante pour le futur. Écoutez, moi, je respecte toutes les opinions. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que vous parlez des 15 minutes. Les 15 premières minutes, effectivement, on a commis quelques petites erreurs de placement qui nous ont coûté le but et notre situation. Après, on a pris le match en main, on a eu nos occasions en première mi-temps. On aurait pu très bien égaliser déjà bien avant. On a posé le jeu, on a fait le match qu'on voulait. Donc pour moi, 75% du match, on a fait ce qu'il fallait. Donc, je suis absolument satisfait. Après, dans la finition, bon, ça, c'est des choses qu'on va travailler. Non, bon, je ne vais même pas terminer de répondre à votre première question, dans le sens qu'effectivement, c'était un derby. L'équipe de Madagascar, c'est une équipe expérimentée, une équipe qui a de la qualité. Il y a l'adversaire aussi quand on fait les matchs. Hein, c'est pas seulement, il n'y a pas seulement nous. Donc, c'est sûr qu'eux, ils avaient de l'intensité, il y avait de la vitesse. Ils faisaient ces changements de jeu qui nous obligeaient toujours à décaler. Et on n'a pas fait toujours bien. Et justement, on a pris le but là-dessus. Donc, c'est de l'expérience. Bon, moi, vous savez, chaque match, pour en revenir à la deuxième question, chaque match, il a son histoire. Dans le sens que si ça avait été un match joué chez eux, ça aurait peut-être été autre chose. Mais en tout cas, c'est important pour nous d'avoir démontré qu'on est une équipe solide. Et qu'on est là.